Et les gens, bienvenue sur frappestejeux.fr ou sur blaguetisant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion. Et oui, BG miracle. Il arrive des choses, des fois c'est étrange. Et donc, nous sommes sur PC sur un jeu qui m'a été offert par Andrea, ici présent, donc merci beaucoup à toi encore une fois. C'est donc Cairn Undying Thoughts, comme dire quelqu'un, développé par ZBox Entertainment. On va pas tout redire, mais bon, encore une fois, c'est un cadeau derrière, encore une fois, merci. C'est parti. On y va, on continue, on est toujours dans cette zone-ci, et je suis content de voir que ce jeu n'a pas d'avoir de soucis de stabilité avec mon ordi, ce qui est plutôt cool. Donc en gros, il y a ces portes-là qui sont ouvertes, alors soit on peut ouvrir celle-ci, soit on peut ouvrir celle-ci. Ma maman, j'ai si heureuse était. Les deux pops. Bon, on va commencer par là, puisqu'on est là. Oh, tour de garde. Donc nous découvrons tout ça. La tour de garde qui est ici, le laboratoire des cristaux qui est là. J'ai envie de partir par là. Là, il y a quoi? Peut-être qu'il faudra un cristal bleu. Donc là, pour l'instant, je peux pas y aller. Peut-être que je vais pas acheter ça, sinon il y a une boule... Ok, il y a une boule. Bonjour, l'eau. Par ces températures, j'ai envie de piquer une tête quand même. Ça, c'est ouvert. Là, il y a un petit bouton ici. Là, apparemment, il y a des choses qu'on peut faire. Là, il va falloir que je charge, à mon avis, pile comme il faut pour le poids. Est-ce qu'il y a éventuellement des choses que je pourrais ramasser dans le coin? Ok. Non. Salut Celt, comment vas-tu? Il va avoir mal au crâne, le pauvre, mais non! Franchement, je ne sais pas du tout, Yota, et je sais pas si j'ai pas l'enlever ce truc là en fait, parce que vous allez consommer plus d'électricité que vous n'allez me rapporter de l'argent, donc ce qu'on avait vérifié avec quelqu'un, et la dernière fois, bah je sais plus qui c'était en fait, j'ai oublié entre temps. Ouh. Il y a un système. Comment on fait déjà pour prendre des notes? Lentille. Nouveau courrier. Through my geological research, I discovered that one of the island's most common endemic minerals. Ah bah c'est Phantom justement qui avait testé. Weak but consistent energy source. To test out their limits, I started to construct simple mechanisms designed to harness the power of these natural energy crystals. En fait, je crois que ça me rapporte 1 centime par heure, si j'ai bien compris le cryptominage. 1 centime par heure. Voilà, donc c'est pas très très joyeux hein, qu'on se le dise, pour voir la... J'ai peur que ça abîme plus votre matériel en fait, donc je pense que je vais le supprimer. Après, il faudrait confirmation de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, mais j'ai peur que ça abîme plus votre matériel, que ça ne me rapporte d'argent au final, ou que ça vous rapporte à vous, quoi. Qu'il arrive. Au cours de mes recherches géologiques, j'ai découvert que l'un des minéraux les plus communs de l'île peut être utilisé comme une force d'énergie faible mais constante afin de tester la capacité de ces cristaux et d'exploiter leur énergie naturelle. J'ai commencé à construire des mécanismes simples. Ok, d'accord. Ben en gros, c'est ça rapporte 300 points par seconde. Il faut 1 million de points pour que ça rapporte 1 centime. Si j'ai bien compris. Hein. Donc si ça rapporte 300 points par seconde, je crois qu'il faut 3600 points pour faire 1 million.
Déjà, peut-être que j'essaie de regarder où est-ce que je vais regarder en fait. Non? Est-ce qu'il y a un endroit par là qui aurait un quelconque intérêt à braquer? Là. Parce que maintenant, si je fais ça, peut-être que je peux. Yes. Ça va, je suis pas idiot. Je suis pas idiot. Donc c'est pas utile, je pense que je vais l'enlever. Parce que j'avais jamais essayé le cryptominage avant, mais quand Fantôme a essayé et qu'il m'a répondu ça, je me suis dit, ouais, ça avait pas le coup. Après, j'ai plus pensé à l'enlever, mais. On va dire que j'ai appuyé dessus. Le truc est activé, on va le refermer. Ça se trouve, j'ai fait une grosse bêtise juste après, mais bon, c'est pas grave, hein. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de clé coincée à l'intérieur du cristal. Pour le reste, on verra. Je suis pas idiot. Mais Laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver. Donc ça, c'est fait. En imaginant que c'est bon, qu'on ait réussi à faire fonctionner quelque chose. Hein. C'est pas garanti. Ah, il y en avait un autre ici. Ça se trouve, fallait peut-être que je laisse activer pour tous les appuyer sur tous les boutons. Bon, vous savez quoi? On reviendra ici après si jamais il y a besoin. Passage du sud. Et si j'appuie. Si je vois que mon déplacement ne mène à rien, je recommencerai à faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je laisserai braquer. La torche au télescope, c'était bon. Oh! Bon, ben voilà, reprenons la poser. Ce que je me dis, je pourrais en avoir besoin ailleurs. Mais en fait, en voyant qu'il y a plein d'autres machins ici, je me dis peut-être qu'il faut que j'appuie sur tous, en fait. On va remettre la torche au télescope. Non, mais tu dois sûrement avoir raison, Etirac. Moi, ça me fait plaisir, donc forcément, ça, on va dire que t'as raison. Toujours agréable d'être intelligent. Donc, est-ce que ça fait remonter le système là-bas? Ah bah non, ah bah non, mais non, j'ai fermé le levier. Dans le bon ordre. Alors lui, c'est bon, je l'ai appuyé. Est-ce que les autres, ça les a fait apparaître? Ok, c'est loupé. Donc s'il faut les faire dans le bon ordre, effectivement, non. On commence par celui-ci, c'est le premier. Suivant. Attention. Gerbosaurus. C'est parti. Deux. Est-ce qu'il y en a d'autres plus loin ou pas? Et je ne sais pas, et je reste planté là. Salut Sombre Animate, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Trois, la question c'est où est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Pour l'instant, je suis dans le bon sens. Donc toc, toc, toc. Où est le dernier? Salut, ce question. Pour l'instant, on va continuer à se balader. Ah, il est là, il est là, il est là. Ils sont tous redescendus. Apparemment, il s'est passé quelque chose, mais quoi?
entendu un bruit. On est d'accord qu'on a entendu un bruit. Hein. Ce serait pas... anormal, j'imagine, ce livre. Ils vont ressortir le 2, c'est sûr, puisqu'ils l'ont annoncé. Et pour un éventuel RE8, ça m'étonnerait pas. Je sais pas si je dois la laisser là, du coup, maintenant. Pour l'instant, on va la laisser là, on fera demi-tour si nécessaire. J'ai actionné un mécanisme. La question, c'est où, pourquoi, comment. Il y a un truc qui s'est ouvert. J'ai entendu un truc coulissé. Mais quoi? C'est ça, ouais. Le 2 a été annoncé, le remake du 2 en tout cas. Le mec il va s'en aller à 3 km alors que le son paraissait être à côté. Pour le cul de Léon, Celt. Pour le cul de Léon. Ok, donc là c'est un autre truc. Est-ce que je peux... Je peux pas récupérer celle-ci de torche. Un télescope dans le bon sens, d'accord. Merci pour l'indication, Andrea. Un KF, c'est quoi un KF? KFC, ouais, parce que moi ça me parle plus le KFC. En plus, j'ai faim. Je sais pas, Fantôme, je sais pas. La fontaine du télescope dans le bon sens. La question c'est dans quel sens? Est-ce que c'est là-haut qu'il y a un truc qui s'est activé? Je crois qu'il y avait un machin là-haut, mais en fait non, c'était mon curseur. Là il y a marqué 2. Sauf qu'on voit rien. Ah, attendez, là-haut. Si on place le truc en vert là-haut. Attendez. J'ai envie de le mettre là-haut, j'irai poser la vitre. Killing Floor, d'accord. Pas que pour le fil de Léon, je crois qu'il y a eu une correction automatique, non? Donc je disais, j'avais récupéré ceci. Yes! Et yes, c'est qui le patron? Oh là là, des jolis signes! Oh, c'est beau, c'est propre, c'est bien! Il est doué, lui, tiens. Dites-le. c'est bien beau tout ça, mais ensuite... Ensuite, je ne vois pas quoi faire de ça. On avait dit comment qu'il fallait prendre des notes? C'est quoi la touche pour prendre des notes? Prendre des croquis pour être plus précis. Option. Contrôle. P. Voilà, donc j'ai un nouveau croquis, comme ça je l'ai avec moi. D'accord, Etirac.
Du coup, ça, on peut pas l'ouvrir pour l'instant, je crois, j'étais déjà venu. La porte s'ouvrira d'une autre façon. Là-bas, pour le moment, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, je vais continuer par ici. Allons nous balader. Donc, on avait dit que cette porte... Toc, elle est ouverte, c'est bon. Ah bah, ça, c'est pas malin. Va falloir que je fasse un détour pour atteindre ce deuxième truc. Là, ça ne passera pas par ici. Là, il y a la... Il y a la plateforme avec le portail au-dessus. Donc, le seul truc qu'il y a ici, c'est ça. Rien de très sympa, ça, par contre. Est-ce que, par hasard... Je peux... Elle est plus loin par ici, sur la plage, non. Quoique, aussi un petit peu, mais... Pas assez. Parce que, rappelez-vous, on a le crochet qui descend là-bas. La question c'est où descend-il? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Et je reste planté là. Et c'est quoi ça? C'était pas là tout à l'heure ça? Là-bas, là-bas. J'ai vu qu'il y avait ce machin là du coup. C'est un truc qu'on a ouvert j'imagine avec les plaques. Il y a des sortes de verrous en fait si je comprends bien. Mais tu me dis que la suite est dans la grande case. Ça. Bref, on a ce truc-là, là. On a ce truc-là, c'est bien beau, mais il faut que j'en fasse quoi? Parce que ça, on avait dit que le F, c'était 3. Donc, 3, 3. On obtient... ce signe-là. Ensuite, T. T, c'est 4... Donc 4-4, ça fait ce signe-là. Après, c'est le O. Le O, c'est... Bah non, le O, c'est 4. Donc le T, c'était 5. J'ai fait une bêtise. T, 5. C'est le S. C'est l'envers d'un S. Mais... Voilà, espèce de truc comme ça. Ensuite, celui-ci. Là, c'est le 4. Donc le 4... celui-ci. Voilà, ensuite ceci. C'était le 1. Donc c'est ça. Et ensuite le S, on a dit que c'était 2. Donc c'est ça. On va voir si j'ai raison ou pas, hein. Allez, essayons. Mais non, mais... Alors... La vague, où est la vague? Ou le N si préféré. Et ensuite pour terminer ceci. J'ai dû faire une erreur. Ou alors j'ai pas compris ce qu'il fallait faire.
Le F à l'envers, on a dit que c'était 3. Donc c'est bien un signe là. Eh, hey, bonjour Aurore, comment vas-tu? Ah, attends. Donc du coup, ce serait ce signe là pourtant, le F à l'envers. Il correspond à 3. Ou alors j'ai mal lu le document. Le document, il était où? C'était ça. 4, 2, 5, 1, 3. Donc je les ai bien notés. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que le F, il faut le mettre en face du 3 et ça donne ce truc-là. Le T, il faut le mettre en face du 5 et ça donne ce truc-là. Le rond avec un trait dessus, il faut le mettre en face du 3 et ça donne, c'est là que je me suis trompé, je crois. Parce que du coup, ça là... Non, c'est 4. Donc j'ai bien pris la note. Le truc ici, donc 4. L'espèce de signe dégueulasse ici, c'était 1. Donc du coup, c'est bien la vague. Et ensuite, l'espèce de S dégueulasse, c'est un 2. Et le 2, ça correspond bien à ça. Donc est-ce que c'est ça qu'il ne fallait pas faire? Je ne sais pas. Dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Tu veux dire que l'ordre de préparation, alors attendez, 1, c'est le F. Et du coup, c'était lequel? Parce que moi, j'ai mis dans cet ordre-là. Du coup. Alors qu'en fait, si celui-ci arrive en dernier, donc ce serait celui-ci en premier. Donc celui-ci, c'est celui-là. 1. Hop, 1. Avec le S. 2. On va essayer 3 possibilités qui nous restent. Enfin, ensuite, T. Le T est en 3ème place. Le T, on avait dit que c'était 3. Après, c'est ce F là. Le F tordu. Qui mène vers le N. Donc, ce serait 4. Et donc lui 5. Maintenant on va aller voir dans l'autre sens là-bas. Maintenant c'est le sens que je viens de faire, je suis bête. Réessayons. 1. Non, je me suis trompé. 1. Le 2, il serait là. 2. 3, 4. Oh, oh oui. Oula, 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 c'est moi qui me déplace. Non mais moi j'avais pas prévu ça moi. Non mais, aïe, 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 ça fait comme l'escalator. Non c'est bon, ça arrête avant. C'est bon, c'est fait. Les bébés morts. Dans le congélateur. C'est mieux pour la conservation. Ça périme moins vite. Bon, j'ai ramassé un bocal à poisson, donc je pense que j'ai plus ou moins compris un truc qu'il fallait que je fasse. Machin avec truc bleu. Une porte fermée, c'est pas juste. Y'a quoi derrière? Je veux savoir... Y'a une mine derrière apparemment. Je veux savoir... Montrez-les-moi. Bref. Comment ça, c'est trop beau ce jeu, je le veux. Ok, Tirac. Du coup, ça c'est bon. Dans mon inventaire, j'ai un bocal. Le bocal, j'ai bien envie d'y mettre... J'ai envie de tenter un truc avec le bocal. J'ai envie. En plus, une dizaine, il peut être suspendu, sûrement suspendu quelque part. Donc, j'ai envie de mettre le bocal dans le truc du puits. On va aller voir. Ce petit jeu sympa, c'est Cairn. C'est un jeu un peu comme les Myst ou autres Obduction qu'on avait déjà fait.
à la pêche. Ah, le petit indice. Le petit indice pas innocent. Voilà. Est-ce que ça vaudrait le coup? Est-ce que à l'intérieur de ce truc-là, je peux rajouter... Yes! Oh, comment je suis pas bête! Non, c'est pas invoqué à la luciole. Donc on patiente, on fait les 100 pas, histoire que tout le monde vomisse. J'imagine qu'il n'y a pas besoin de patienter, hein, mais c'est pour le réalisme de la chose. Et on remonte. Non, 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 non. On sait que je peux en avoir une deuxième comme ça. Voilà, j'ai un bocal. On va regarder ce que ça fait. Bocal de quoi? Le poisson dans le réservoir semble produire de l'électricité. Petit coton, ouais. Coton. Ça c'est quoi ça? Ça apparemment c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Cette porte là-bas est toujours fermée. Donc maintenant, où est-ce que je pourrais aller déposer du bocal? Si ce truc-là génère de l'électricité. On va retourner dans les autres maisons là-bas. Là, c'est pas possible. Là non plus, j'imagine. Ça, on n'a pas ce qu'il faut là-bas. C'est ce que je me dis aussi, Kyo. Mais bon, on sait jamais. T'as vomi ta purée de pommes de terre, mais quelle idée! Quelle violence! Alors, en imaginant que là... Pas assez lourd. Là, je peux pas le poser. Je suis en train de me dire... On n'a plus besoin de ce truc-là. Et attendez, une torche! Il y a un autre endroit où on pouvait poser une torche. Là-haut à gauche. Le mec est moitié parisien. Salut à toi, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je me dis qu'ici, il y a peut-être quelque chose, attendez. Non, c'est pas toi que je veux, c'est elle. Eh, j'en ai deux? Ah non, c'est passé à tourner en boucle, ok. Non. Non, je peux le récupérer seulement. Donc ça doit pas être là. Non, non, t'es pas le seul à trouver ça vomitif. Il y a toujours cette espèce de cristal. Prends une note de ce truc-là. Griller la torche dans la case. Comment ça, griller la torche dans la case? Mais oui, mais oui! J'avais complètement oublié cet aspect-là du truc. A plus, fantôme. Haha, c'est une honte. Bande de vous juger sur le physique, quoi, c'est pas gentil. C'est pas illuminé, t'as que j'ai pas assez d'électricité.
Parce que du coup, il est pas aligné le cristal. Encore, parce que là, vous voyez, certains brillent. Donc je me dis qu'ils sont chargés. Attendez, j'ai une idée. Merci. Je suis trop doué. Ouais, non, mais je l'ai compris avant que vous me le disiez. Je suis doué. Je suis doué! Bien que je me lance un peu des fleurs de temps en temps quand même. Il y a toujours ce truc que je ne peux pas ouvrir. Ah mais attendez, non. C'est toujours ces deux barres là, mais à mon avis on pourrait faire quelque chose avec ça par la suite. Bref, on va redescendre. Sans prendre la grande marche ici. N'empêche, c'est un jeu où on peut sauter. Et... Salut Myope. Ça fait longtemps, bah écoute, quand tu peux, quand on peut, hein, comme on dit. J'espère que tu vas bien. Et ça fait rien. Donc on a dit il fallait lancer quelque chose par en bas. Mais je brille dans le noir. Il y avait pas un truc avec un cristal dans un coin là-bas? Donc faut essayer de me rappeler de là où je pouvais poser des... Il y avait ça aussi là-haut, à mon avis ça servira à rien pour l'instant. J'ai pas eu le message de BG, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois hein. Je reconnais tout une pizza quand j'en vois une. Non mais vous êtes des racistes, c'est tout. Bande de racistes. Traiter une quiche de pizza, c'est du racisme. Bon en même temps hier, j'ai sorti quand même une phrase assez violente quand on n'a pas le contexte. Parce que dans tel que j'ai sorti, c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur après, c'est j'ai commencé à dire... Comment je l'ai raconté? Donc non, c'est pas ça. J'ai raconté en disant... je parlais des différentes... Parce que pour moi, comme on les appelait les Covenants, en fait, c'était une seule race d'extraterrestres en différentes versions. Et du coup, quand j'ai cherché à le dire, c'est sorti sous la forme... En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs races, un peu comme nous avec les Blacks, quoi. Ou les Asiates, etc. Voilà, sorti comme ça. C'était un peu... Ah! Ça y est, c'est parti sur du Heavy Rain. Truc que j'ai jamais fait, en fait. Je n'ai fait aucun jeu de David Cage. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Dormir hier soir. Valait mieux que tu dormes, Isa. J'ai sorti ça, il devait être presque 5 ou 6 heures du matin. 6 heures du matin passé même. Ma torche sur le télescope. Allez hop, c'est parti. Merci pour l'indice, Andrea. Ça vient de tourner en rond trop longtemps. C'est limite. Bah, à la base, dans ma tête, c'était logique. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des extraterrestres. Donc, pour nous, c'est la pigmentation de peau qui change. Pour moi, je pensais que du coup. Comme c'était des extraterrestres, éventuellement, ça pouvait carrément changer le physique. Après, c'est pas une question de race, justement, c'est une question de une seule race, les Covenants, avec différents styles. Je peux éclairer les trucs en bleu, je sais pas trop à quoi ça va servir. Où suis-je envoyé? Ah! Oh! 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 Donc, on va refaire ça. P, on va prendre un screenshot. Comment ça? Elle est jeune ici, celle-là. L'heure à laquelle tu t'es réveillé?
absolument toutes les torches. Donc tous les endroits où on peut potentiellement poser une torche, faut poser la torche bleue, c'est ça? Ah non, ou alors tu veux dire qu'il y a d'autres formes de cristal? Je crois qu'on en voit un vert là-haut. Donc avec à chaque fois, faudra essayer d'utiliser un cristal de couleur pour, sur le truc, d'accord. Et observer le décor. Donc on a des signes qui sont apparus. Toc. Toc. TI. Pourcentage à l'envers. Il me semble, hein. J'ai un doute. Pourcentage dans le sens. Bernard l'ermite. Non mais comme vraiment on les appelait les Covenants, pour moi ils venaient tous de la même planète et étaient une race à part entière, une seule race en fait, mais que comme nous on avait des différences de pigmentation, de physique, etc. Bah eux la pigmentation ça devenait vraiment le changement physique, ce qui donnait les brutes, les rapaces, etc. Mais qu'au final c'était les Covenants, alors qu'en fait les Covenants c'est une alliance. Et je l'ai appris du coup hier soir, tu vois, avec les terminaux du 2. Voilà, c'est une alliance. Et c'est pour ça, et en fait quand j'ai voulu l'expliquer, ça a dérapé, j'ai fait « Ouais, c'est un peu comme nous avec les Blacks, quoi, c'est une race. » Et j'ai fait « Non, c'est pas comme ça que je veux dire les choses. » Il y a 4 torches différentes, d'accord. Donc pour l'instant, on a cette information, ça me fait penser à... Donc il y a un moteur avec une hélice dessus, j'ai l'impression. Et on a 4 signes en dessous. La question c'est quoi faire, où est ce moteur? Parce qu'on a ça dans l'inventaire, on a ce truc-là. Qui pourrait être un élément de moteur, mais où est l'hélice? Tu faisais quoi en fait? Ben, je sais pas, je m'étais jamais posé la question. J'avais entendu Covenant, j'avais pas entendu Alliance Covenant, ou alors je l'ai entendu, mais j'ai pas tilté à ce moment-là. Et du coup, j'ai récupéré l'ensemble. Donc, c'est pas là qu'il faut que je fasse le truc. Où est-ce qu'il y aurait une hélice dans le décor? Non, je ne suis pas un homme. Je suis non-binaire. C'est terrible, mais non, les mêmes qu'il y a... La phrase injustifiable... Non, mais elle n'était pas la phrase... Elle est... Pour moi, la phrase était injustifiable. Ma pensée d'origine n'était pas si mauvaise, de mon point de vue. Ma phrase, effectivement, est extrêmement dégueulasse. Donc j'ai essayé de l'expliquer après, quand je me suis rendu compte que c'était totalement n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des signes? Alors on va se balader. On va se balader, tout simplement, et voir s'il y a des choses qui éventuellement peuvent apparaître dans le décor. Mais effectivement, ça peut se comprendre qu'il faille passer des heures sur le jeu hein, quand on connaît pas. Spécial ici. Je revisite en tout, hein, en tout pour essayer de voir s'il y a des choses éventuellement qui peuvent apparaître. Par contre, on va devoir relancer une rediffusion sous peu. Ouais, mais c'est pour ça, le fait que quelqu'un qui connaisse le jeu soit ici, c'est quand même vachement plus pratique. Ça évite que je passe justement 2 heures de live à tourner en rond sur un truc au final, alors qu'il... Parce qu'au final, je pense qu'on finit toujours par trouver la solution, en quelque sorte. Dire ok, peut-être que je réessaye ça, mais je pense que je l'aurais pas fait avant très longtemps.
Alors, le T doit être en bas, le pourcentage en bas. Donc ça, normalement, il doit rester en haut. Il doit rester en haut. La question, c'est, est-ce qu'il faut que je les case ici? Ou pas? Honteux encore? Comment ça, il le fait exprès? J'ai faim, je mangerais bien quelqu'un. Effectivement, donc toc, ouais, là. Mais du coup, la question que je me pose, c'est qu'importe là, est-ce qu'il faut les caser tous les quatre dans le coin? Il y a celui-ci qu'il faut mettre dans un coin, ça c'est sûr. Donc lui, il faut que j'arrive à le ramener là-haut. En fait, je crois que j'ai pas trop avoir le choix au final. Attends, on va arrêter de faire ça parce que je sais que c'est vomitif, du coup, on va faire comme ceci. Quoique, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Yes. Et une petite clé. J'ai trouvé. C'est la fin de la rediff. Alors une petite clé. On a vu un trou de serrure à un moment. On a vu un trou de serrure. Mais d'abord on va couper la rediffusion. On va dans l'autre salle parce que c'est plus joli. Vous avez reçu un nouveau message. Dommage, on voit plus les étoiles sur les murs. Là, c'est joli. Quoique, on va se remettre là. Comme ça, on aura l'impression qu'on a qu'on aura raté une vidéo. Ah, merci, merci pour tous ces beaux compliments. Gloire à Haïti. J'espère bien, oui, j'espère bien. Du coup, maintenant que je me suis bien étiré, on va relancer la rediffusion. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos. N'hésitez pas donc à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur fcjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut!